Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans l'apothéose de la Porsche 911, la Turbo S. La Porsche 911 Turbo, c'est clairement la 911 de référence. C'est la référence des supercars actuels, que ce soit au 0 à 100, mais aussi au niveau du confort, de l'habitabilité, de la praticité, mais aussi de la sobriété dans le look. Cette voiture a réellement une aura toute particulière, puisque visuellement parlant, ce n'est pas une voiture qui en fait trop. Ce n'est pas une voiture qui va être ostentatoire. En revanche, en termes de performance, de confort et de facilité, cette auto est comparée en permanence au reste de la gamme automobile du même segment. C'est ça qui est phénoménal sur la 911 Turbo, c'est qu'elle a réussi à imposer son style. Elle a carrément posé les bases de ce qu'est une supercar aujourd'hui. Avec son système 4 roues motrices, c'est la sécurité, mais en même temps du fun, car même si cela est un 4 roues motrices, on est toujours sur quelque chose de typé propulsion. Et autant vous dire que si vous déconnectez l'ESP, si vous déconnectez l'intégralité de la voiture, on est sur quelque chose de sacrément véloce. La 911 Turbo à l'intérieur, c'est du confort, c'est du luxe, intégralement garni de cuir pour notre modèle ici présent. Siège chauffant, siège ventilé, toit panoramique ouvrant et surtout vitré, hein, pas un toit plein. On a l'Alcantara ici sur les montants et sur la plafonnier. Bref, on est très bien installé dans cette 911 Turbo. Siège sport, surtout la ventilée là, comme ça avec la clim, ça c'est du bonheur. Mais lorsque vous commencez à appuyer sur la pédale de droite, la voiture devient une véritable furie et devient réellement une supercar. Le moteur, quant à lui, est un flat 6, évidemment, biturbo, turbo à géométrie variable, 2.3 litres 8, développant 560 chevaux et 758 Nm de couple. La sensation de puissance dans cette voiture est terrifiante. Cette voiture est balistique, littéralement balistique. La poussée est incroyable dès les premiers tours minutes, dès les bas régimes. On a quelque chose qui est vraiment véloce. Et c'est ça qui rend la turbo tellement atypique, tellement particulière dans son monde, c'est d'avoir cette vélocité instantanée. Et alors, en plus de la puissance, vous avez un châssis qui est clairement aux petits oignons. Je ne dirais pas qu'on est proche de celui d'une GT3, mais on est sur quelque chose de très précis du train avant. L'arrière est mobile. C'est ça qui est absolument génial, c'est qu'on a vraiment cette arrière qui se place et ce train avant qui ne nous met jamais en défaut, qui ne faillit jamais. En gros, pour résumer la 911 Turbo S, on est sur quelque chose d'extrêmement puissant, véloce, presque sauvage, confortable. L'intérieur, vous avez le top du top de ce qui se fait en matière de luxe et de confort. Merci Porsche, c'est allemand, c'est normal. Mais en même temps, vous avez une voiture qui est relativement discrète, qui n'est pas criarde, ce n'est pas une Lamborghini. C'est quelque chose qui est presque passe-partout, mais qui par contre défenestre littéralement un grand nombre d'autos sur le marché. Vous commencez à me connaître et vous commencez à savoir que je suis un amoureux dingue des Porsche 911. Et évidemment, cette 911 Turbo n'échappe pas à la règle. Surtout qu'il y a une petite histoire particulière. La première fois que j'avais fait un tour de Porsche 911 dans ma vie, c'était dans une 930 Turbo noire.
j'avais peut-être 8 ans. Donc autant vous dire qu'aujourd'hui, c'est un peu spécial de me retrouver au volant d'une 911 Turbo S noire. Et si évidemment je vous présente cette voiture, c'est bien parce qu'elle est disponible. Rendez-vous sur Concessport Automobile, automobile au pluriel. Rendez-vous aussi sur Instagram, Concessport Automobile, automobile toujours au pluriel, pour vous abonner à notre compte pour ne rien rater des arrivées et surtout ne rien rater des primeurs. Car je poste toujours en avant-première, bien avant l'annonce, les nouvelles arrivées. Donc si vous souhaitez faire du off-market, c'est la belle occasion. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne route, prenez soin de vous, faites attention et à très vite.